de l'élevage du sud-ouest. Il y avait notamment donc des produits, en tout cas sûrement une pouliche, par étonnant. Au moins une. Étonnant, Richard Westerink, qui nous disait être encore en réflexion pour parler pour la suite d'étonnant. Et qui nous faisait remarquer également quelque chose qu'on mettra en exergue au cours de la semaine. Je vous en parle juste après le lot numéro 14. On en parlera dans 24 heures au trot cette semaine. Pour le moment, lot numéro 14, en direct de Caen. Luciole Polo s'est montrée fautive au départ, au contraire de Larry Bond, qui va prendre avec autorité l'avantage dans le premier virage. Leader Beach est tout près. Rolling Derry et Voile Marine. Faute du cheval qui était en troisième position. La Star Rock, Paraldo Deschamps et Corsica Rock vient en troisième place devant Latino Castellet. Effort de la Star Rock pour rester dans le sillage de Leader Beach, qui lui-même revient sur le cheval de tête Larry Bond. Il est fort entamé par la Star Rock et confirmé pour venir à l'extérieur du cheval qui le précédait et même maintenant à l'extérieur du cheval de tête. Ce n'est pas Latino Castellet qui est en troisième position, parce que Latino Castellet, le voici qui réapparaît à l'arrière du petit peloton après avoir été décroché au début. On est bon dans le chrono, puisque nous avons entendu en direct grâce à notre micro, absolument pas dissimulé, hein, donc tout le monde voit qu'il peut être entendu, qu'on était en 18, à faute de Latino Castellet cette fois-ci, c'est fini. On était en 18 au kilomètre, donc tout va bien pour le chrono et pour la qualif, si bien sûr on reste trop jusqu'au bout. Larry Bond tente de poursuivre son effort, ce qui n'est pas simple sous la pression de la Star Rock, qui est vraiment la vedette de ce dernier kilomètre. La Star Rock, Bertrand Lebelair, ça va nous permettre de parler du champion qui est bientôt de retour. Mais avant cela, on va conclure avec ces 2000 mètres à couvrir. Legato de Felière, qui s'était montré discret jusque-là, conclut bien son parcours pour prendre la deuxième place. La Star Rock, Aldo Deschamps et Corsica Rock remportent le lot numéro 14. Donc pour la Star Rock, qui est un très bon tempo, une 18,5, c'est une fille d'Aldo Deschamps et de Corsica Rock, la mère qui avait déjà donné King Rock vainqueur d'une course. Les autres ont
pas de gain, un chrono pour Just Winner Rock.